Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Vérité de fait. Nous allons parler de la situation économique et sociale. C'est de ça qu'il sera question aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Nous allons analyser ce qui va et ce qui ne va pas. Les chiffres grimpent certes, mais aussi sur les marchés, il y a la flambée des prix. On ne sait pas trop, la population s'est plainte de sa perte du pouvoir d'achat à tous les niveaux. Tous les domaines, tous les professionnels se plaignent du fait qu'ils sont frappés de plein fouet par cette instabilité économique. Alors pour en parler, j'ai ici avec moi quelqu'un avec qui vous êtes habitué, c'est Maître Eric Bissello, président du parti politique Consort, Contrat Social Renouvelé. Avec lui, c'est pour vous, il va analyser, il va donner le point de vue de son parti. Maître Eric Bissello, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condé, et merci pour l'invitation une nouvelle fois encore. Comment allez-vous ? Dieu fait grâce. Sans lui, nous ne sommes peu de choses, donc Dieu fait grâce. Alors, Maître, avant de commencer, je voudrais recueillir vos impressions, ou soit quel est le sentiment qui vous anime après avoir appris la semaine dernière, la perte de l'honorable Chérubin Okende. Tout d'abord, c'était avant tout une stupéfaction, parce que c'est tellement invraisemblable. Et puis après, c'était une colère sourde, d'une atteinte à la vie et à la sécurité des représentants de la nation. Mmh. Donc c'est-à-dire une atteinte directe contre la nation congolaise. Une telle personne, une telle personnalité, un homme d'État, une intelligence pareille qui termine sa vie au volant de sa voiture exécutée comme un malpropre, c'est une honte pour la République, c'est une honte pour notre nation. Et il nous appartient à tous que nous sommes de prendre la responsabilité que c'est un crime contre l'État, contre la nation congolaise, que ceux qui sont à l'origine de cela, qu'importe leur bord politique, qu'importe leur protection, leur influence, ils doivent y répondre de leurs actes. C'est aussi sûr et certain que cela. C'est un crime politique parce que c'était un haut cadre de l'ensemble de Moïse Katumbi. C'est un crime contre la sécurité des Congolais parce que après les épisodes des enlèvements et de toutes sortes de violences qui persistent, qui perdurent d'ailleurs, nous voyons des exécutions des hautes personnalités. C'est effrayant, c'est un crime social. Parce que c'est un père de famille, quelqu'un qui participait activement à l'entretien de sa famille et certainement de beaucoup d'autres personnes derrière. Et c'est un drame qui, aujourd'hui encore, on attend de retomber sur certains. On nous avait parlé des experts internationaux qui devaient arriver, ils ne sont pas encore là. On nous avait parlé de résultats, mais pour l'instant, on a vu, on croit savoir que c'est allé un peu vite en besogne, désigner tout de suite les coupables en disant que la balle sortie qui a exécuté, qui a tué les feux Chérubin Okende venait des larmes, tel, ça allait vite en besogne. On attend l'expertise internationale. Okay. On attend la participation des acteurs qui ne sont pas partie prenante dans ce dossier. Mais justement, puisque vous en parlez, il y a comme une sorte d'unanimité entre le gouvernement congolais, sa famille politique et toutes les personnes concernées par cette histoire. Il se dégage une sorte d'unanimité sur le fait que la lumière doit être faite sur cette affaire. D'où les deux bords appellent à une enquête internationale. On entend, selon une certaine presse, que certains gouvernements étrangers n'auraient pas été saisis officiellement, sinon par lettre. Est-ce que cette unanimité vous rassure-t-il ? On est habitué avec le pouvoir en place à des incantations, à des annonces sans résultat. La seule chose qui importe, c'est le résultat. Moïse Katumbi avait lancé l'idée d'une enquête internationale. Patrick Muyaya et accompagné de certaines personnalités ont relayé cette idée. Maintenant, c'est la concrétisation de cette idée. C'est la responsabilité du gouvernement. Vous nous dites que voilà, ceux qui sont appelés à participer n'ont pas été saisis officiellement. Ce n'est pas l'opposition qui doit les inviter, c'est le pouvoir. Donc on sent bien qu'il ne s'agit pas ici de nous distraire,
C'est un crime qui aura des conséquences si on veut le laisser couler comme ça, comme si c'était de, comme si de rien ne s'était passé. Ou bien on veut le faire comme certains crimes qui ont dans le passé, qu'avec le temps ça ira, avec le temps ça ira. Non, ce crime-là aura forcément des conséquences lorsque la population sera à bout, exacerbée. Et ça, c'est dans pas longtemps. Les échéances électorales arrivent dans un climat délétère. Vous avez dit... Le chômage augmente, le pouvoir d'achat baisse, la dollarisation, les étudiants UPN qui sont arrêtés, traités des voyous, des délinquants par un ministre SU qui fait qui ordonne les paiements des frais universitaires en dollars. Mais on ne sait plus on va en parler. Par quel bout prendre ce pays. Et on n'a pas du tout, moi personnellement, on n'a aucune confiance aux gens qui sont au pouvoir. Donc on n'a pas besoin qu'ils nous fassent des grandes déclarations. On a besoin que les actes. On a besoin de trouver des véritables coupables de l'assassinat du chérubin Okende Okama. Donc c'est tout ce qui nous importe. Qu'importe d'où viennent ses responsabilités, qu'importe qui a exécuté cet homme, il doit être arrêté. Et pour cela, pour qu'on mette, on donne du crédit au résultat de l'enquête, il faudrait une enquête internationale. Parce qu'à ce jour, l'opposition n'a aucune raison d'accepter ce qui est en train d'être dit aujourd'hui. Parce qu'on est en train d'accuser de monter de droit son quart du corps. Mais excusez-nous, mais on n'a aucune raison d'accepter d'avaler comme de l'eau de roche, c'est ce qui est dit par le pouvoir. Nous voulons que le pouvoir respecte sa propre parole, c'est-à-dire qu'une enquête internationale commence réellement avec des pays qui n'ont aucun intérêt à ce que la vérité soit travestie. Allez, on ne va pas traîner là-dessus. C'est ce que nous souhaitons nous tous comme Congolais. Alors venons-en au sujet du jour. L'instabilité du taux, la flambée des prix sur les marchés. Entre-temps, vous avez le gouvernement qui continue à afficher ses prouesses. Voilà ce que nous avons pu mobiliser en termes de recettes. On ne ressent aucune incidence, sinon, quelle l'autosatisfaction de ce gouvernement ? Finalement, on ne sait plus si le gouvernement il a été élu pour la francophonie, on ne sait plus si le gouvernement il a été élu pour conclure des accords léonins avec des pays étrangers, on ne sait plus si on a élu le gouvernement pour s'autosatisfaction, pour qu'il se plaire, se complaire dans sa fortune. On ne sait plus si on a élu ce gouvernement pour faire de nouveaux riches dans ce pays et extrêmement des pauvres. Donc, pour nous, c'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant parce que vous le dites clairement, le pouvoir d'achat a dégrainé de façon impressionnante. Les Congolais ont perdu près de 40% de leur pouvoir d'achat. Les taux de dollars, n'en parlons pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus sûr. Qu'est-ce qui va arriver demain? Bon, au lieu de cela, ministre de l'Économie, ministre des Finances, ils nous font des incantations. Des incantations matin, midi, soir. Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Eux, leur quotidien, c'est des milliers de dollars qui sont payés et ils sont devenus millionnaires en moins d'une année. Nous approvisionnons. 40 millions de Congolais qui sont aujourd'hui pauvres, 30 millions qui sont en insécurité alimentaire. Et vous nous dites que demain, ça ira mieux. Non, ça ira mieux quand ces hommes du pouvoir prendront des actions concrètes pour, un, faire baisser le taux du dollar, c'est-à-dire, par exemple, réduire le train de vie du gouvernement, réduire leur propre salaire. Ça serait un exemple de solidarité. Est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant, non, la réduction exemple, du train de vie. C'est un devoir qui n'est pas négligeable au regard des paiements et des dépenses de ce mastodonte qu'est le gouvernement et l'État congolais. C'est le plus gros 80% du budget. C'est quoi l'incidence directe si on... C'est 80% du budget. C'est-à-dire que l'argent qui va dans les poches de quelques individus pourrait être partagé au niveau national. Ça pourrait être utilisé pour acquérir, pour par exemple réduire, payer les partenaires pétrolières pour pouvoir réduire les coûts de l'essence. Ça pourrait servir à injecter l'économie auprès des acteurs économiques intermédiaires pour pouvoir réduire les éventuelles taxes et frais. On peut en faire des tas de choses qui amélioreraient les conditions de vous et moi, des Congolais qui vendent du pain. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, il y a encore Pain Victoire, il y a des querelles là-bas. Je vous ai parlé des étudiants. Pourquoi est-ce qu'il y a une grève des étudiants à UPN? Parce que le ministre de SU fait un document où il oblige ses parents et ses élèves de payer en dollars. Et non seulement en dollars, avec un taux qui est dans une institution publique. Dans une institution publique. OK. Vous obligez à payer en dollars. Mais au taux du jour. Le taux du jour, quand on va à la banque, c'est 2700. Mais
Les étudiants ont le droit de se poser la question. Nous, on voit que le taux du jour dehors, c'est 2400. Vous, nous. Donc, quand ils ont des francs, ils doivent acheter le dollar. La rectrice, étant donné qu'elle a été, elle est là parce qu'elle est de l'UDPS, au-delà du fait qu'elle soit professeure, c'est plutôt avant tout l'UDPS. Et elle se sent protégée, elle se sent du devoir, du droit de ne pas entamer un dialogue social avec les étudiants. Elle se sent avec c'est simplement qu'elle ne peut pas. Non, elle ne veut pas. Mais pourquoi elle ne peut pas dialoguer? Elle ne peut pas aller au-delà des décisions de son ministre. Question de dialogue. Il est d'abord ici, avant tout, question de dialogue. Pour aboutir à quoi? Le dialogue, c'est d'abord rassurer. Vous dites qu'elle ne peut pas. Elle montre matériellement qu'elle ne peut pas réagir par rapport à cette situation. Elle ne peut pas intervenir auprès des institutions bancaires pour dire voilà. Ça la dépasse. C'est plus que un autre partenaire. C'est au niveau de son ministre. Non. Ici, il est question de taux de change. La banque affiche 2600, alors qu'on sait qu'il y a des endroits, c'est 2400. Il est important, peut-être, dans son rôle, de dire voilà, si cette institution financière n'est pas capable de nous donner un taux préférentiel, nous changeons l'institution. C'est un partenariat vieux de plusieurs années, vous. Le problème, c'est que c'est entre l'UPEN et cette institution bancaire. Ça ne peut pas se terminer quand il y a une inégalité, quand les étudiants ne se retrouvent pas, quand les parents de ces étudiants, ils sont payés à quel taux, les étudiants. Est-ce que l'offre aurait été mieux ailleurs? Oui, d'après les étudiants, il y a des offres meilleures ailleurs, pour d'autres universités. Donc la question mérite d'être posée. Mais avant tout, le dialogue, c'est une obligation des deux parties. Ce n'est pas que les élèves désignent des délégués pour obtenir un dialogue et vous montrez que vous avez des DIFSEPS avec le comité de gestion opaque et vous dites l'argent, on ne sait pas où va cet argent. Est-ce que c'est pour financer les élections des ministres? Est-ce que c'est pour financer votre train de vie? Est-ce que c'est pour le bien de l'UPN? C'est une autre question qui mérite d'être posée. Donc, en cela, reviens à dire que la monnaie nationale mérite un peu plus de considération. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas nous dire que des dédollarisations du dollar, mais en même temps, vous êtes payé en dollars. En même temps, vous dépensez des dollars au quotidien. En même temps, vous obligez des Congolais d'aller payer, de vous payer, vous, les dirigeants en dollars. Mais c'est inconsidéré. Vous n'aimez pas le Congo, vous n'aimez pas le franc congolais. Ce qu'on est en train de déplorer ici, hier, ça fait l'objet de Rémi Melon au Kenya. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est en train de frapper le monde du fait que chaque pays a sa réalité, mais est-ce que ce n'est pas un fait mondial, cette crise? Non, aux États-Unis, le taux de chômage a baissé. Les États-Unis ne traversent pas une crise existentielle. Il y a quelques mois, ce n'était pas ça. Il s'est plaigné. Ça surchauffait là-bas. Non. C'est-à-dire que vous regardez même certains pays occidentaux, c'est-à-dire que l'État prend des mesures pour la population, pas contre la population. C'est ça qui est important. On est là pour diriger, pour servir la population, pas pour se servir soi-même et ses amis. Il ne s'agit pas de dire on a les élections, donc on doit faire souffrir la population, amasser de l'argent pour aller gagner les élections dans les manières tout à fait d'ailleurs douteuses. Ce n'est pas ça l'objectif d'un dirigeant. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique. On a nos spécificités, on a nos particularités. Prenons des mesures par rapport à nos particularités. Les denrées alimentaires, les épinards, les matembele, les tomates, ils ne viennent pas de la Russie, ils ne viennent pas de l'Ukraine, ils ne viennent pas de la France. Alors, qu'est-ce qui fait que ça coûte aussi cher? Il ne s'agit pas non plus d'aller sanctionner ces gens-là. C'est l'instabilité de taux qui frappe justement les coûts des transports. Qu'est-ce qui frappe? L'instabilité du taux, oui, qui frappe le coût des transports, ça augmente. L'instabilité du taux, c'est provoqué par qui? Par les mauvais dirigeants, parce qu'ils n'ont pas de programme. Je vous ai dit, ils font des incantations. Ils font des incantations, mais ils veulent que nous utilisions le dollar au quotidien, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas confiance. La monnaie fiduciaire, sa première raison d'être est la confiance. Il faudrait que les dirigeants aient la confiance à la monnaie. La population ait la confiance à la monnaie, qui fait qu'on utilisera la monnaie au quotidien. Et la monnaie sera de manière considérée et appréciée. Mais lorsque les dirigeants fouillent le franc congolais et qu'eux-mêmes ils demandent à ce que nous payons en dollars, comment voulez-vous que nous ayons confiance? Comment voulez-vous que les Libanais que vous accusez de tous les maux aient confiance au franc congolais? Comment voulez-vous que les acteurs économiques intermédiaires gardent le franc congolais? On ne sait pas du jour au lendemain, peut perdre sa valeur de plus de la moitié. Aujourd'hui, d'après les mesures qui devaient être prises, évitons l'affichage. Conséquence aujourd'hui. Pour éviter la spéculation. Il y a une spéculation. Je l'avais dit déjà et je le redis, il y aura une spéculation. Ce n'est pas parce que vous cachez la réalité que les gens auront confiance. Ils auront davantage, de manière irrationnelle, peur de dire que voilà, peut-être que ça va descendre du jour au lendemain, je serai perdant avec mes francs. Attendez, Eric Bissello, vous êtes en train de dire ici que le fait d'interdire l'affichage du taux par les cambistes a créé le feu inverse.
Tout à fait. Le fait boomerang. Oui, parce que moi, je sais que l'économie américaine se porte bien, le dollar se porte bien. À plus forte raison, le dollar a besoin de se renforcer sur le marché face aux mesures que prennent la Russie et la Chine. Donc, aujourd'hui, étant donné que nous utilisons régulièrement le dollar, je préfère le dollar au franc congolais. C'est ça la réalité. On a beau dire que le franc congolais a perdu de sa valeur depuis sa création. Oui, ça, c'est une réalité. Mais derrière ces dernières années, 40% du pouvoir d'achat ont disparu. Et les professeurs, et les universitaires, ou les fonctionnaires sont payés toujours un taux qui date d'il y a quelques décennies. Mais c'est incroyable. Mais c'est quoi les réels problèmes, c'est quoi? Les réels, c'est ce qu'on n'a pas de dirigeants courageux, soucieux du sort des Congolais. Ils s'intéressent qu'à leur propre sort. Ils deviennent des millionnaires. Des gestionnaires d'un parti politique deviennent millionnaires. Vous pouvez me dire comment peut-on devenir millionnaire en gérant un parti politique? Qu'est-ce que vous produisez? Qu'aujourd'hui, on va vous considérer que vous êtes un apport nécessaire à la société. Les cotisations, les cotisations des membres. Vous produisez les cotisations des noms. Bon. Comment justifie déjà ces membres-là arrivent à certaines fonctions? On va commencer par là. Les nominations. Comment peut-on nominer ou mettre des gens devenir PCA, DG, parce que vous faites partie d'un politique, parti politique? Et il a des 6. Et vous dites, vous attendez de ces sociétés-là demain qui deviennent des sociétés compétitives. Mais ça n'a pas de sens, c'est irrationnel. C'est ça, c'est eux qui tuent le pays. Ce sont des décisions irresponsables. Donc ne me dites pas que ça justifie le fait que parce que vous mettez les noms des personnes dans des listes, que vous méritez de devenir millionnaire. Non, ça ne justifie pas. Comment justifier à ses parents qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller gagner 200 000 francs par mois, à leurs enfants de rester corrects, de respecter les citoyens loyaux à la République, de respecter les lois de la République parce que c'est bon d'être un digne citoyen. Alors que digne citoyen pauvre, on vous manque de respect, on ne vous considère pas. Mais quand vous avez le pouvoir, en moins d'une année, vous devenez millionnaire de manière malhonnête. Qui doit être respecté dans la société? Le papa qui fait 30 ans, 40 ans comme honnête citoyen, ou bien l'homme politique qui a fait une année devient millionnaire? Ce sont des valeurs qu'il faut. Et étant donné que le pouvoir ne véhicule aucune valeur, qui fait qu'aujourd'hui, nous, aujourd'hui, par exemple, à Consort, nous nous donnons corps et âme pour que le docteur Denis Mukwege soit élu président de la République. Parce que nous pensons que quelqu'un qui a des valeurs aujourd'hui au quotidien dans son vécu ne changera pas parce qu'il devient au pouvoir. Déjà, concernant attention, le pouvoir corrompt. Non. Le pouvoir corrompt, Eric. Il a déjà toutes les spécificités d'un homme de pouvoir. Il a déjà tout le. Il n'a jamais géré un État. Il gère un hôpital. S'il te plaît. Écoute, c'est différent. En termes d'argent, c'est l'argent qui corrompt. C'est l'argent qui corrompt, qui fait penser que vous pouvez tout. Il a déjà reçu l'argent, toutes sortes de son argent, il le donne aux Congolais. Il investit aux Congolais. C'est ça l'exemplarité. Il gère des hôpitaux, il crée ces hôpitaux, pourquoi? Pour le bien des Congolais. Combien sont pouvant en créer comme bien pour les Congolais? Combien paye-t-il, rémunère-t-il les Congolais? Peut-être qu'il ne communique pas là-dessus, mais il y a des gens qui font des choses pour le Congo. La question est combien sur 16 hommes, 100 hommes politiques, il ne doit pas en avoir maximum 10. Il ne doit pas en avoir maximum 10. Sur 100 hommes politiques qui sont à la tête. Vous pensez? Oui, actuellement, oui. Si on prend ceux qui sont au gouvernement. Il y en a qui ont des orphelinats, il y en a qui ont des hôpitaux, des écoles. Il y en a même, je connais, qui a une école où les enfants sont scolarisés gratuitement. Pas comparable. Ne me parlez pas de ceux qui ont créé, investi pour pouvoir devenir des hommes politiques et gagner l'argent. Moi, je parle de ceux qui font des choses de manière désintéressée pour les Congolais. Ce n'est pas du tout comparable. Ce n'est pas parce que vous créez une structure en disant « bon, votez-moi pour les prochaines élections » que vous êtes un bienfaiteur et que vous êtes quelqu'un de désintéressé. Nous cherchons des gens désintéressés. Il est actuellement sur le paysage politique. Qui nous dit que lui, il est désintéressé? On ne va pas parler de lui, mais qu'est-ce qui nous dit que lui, il est désintéressé? Parce qu'il a déjà les moyens financiers nécessaires. Il est reçu comme un chef d'État partout dans le monde. Il a les considérations d'un chef d'État. Sauf ici. Ici, il n'est pas chef de l'État. Il est prix Nobel. On les considère, on les respecte en tant que ça, ni plus ni moins. Ici, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Lui-même, il cherche le contact des Congolais. Il intervient sur la vie des Congolais. Il ne cherche pas la reconnaissance. Il intervient parce qu'il montre de l'humanisme. Il montre de l'amour. C'est un désintéressement où vous montez que vous descendez. Vous changez des adverbes. Vous réécrivez l'histoire. Vous réécrivez le dictionnaire français. C'est quelqu'un qui est au-dessus de la majorité des acteurs politiques congolais. Dites-moi, quelle est la meilleure réforme pour résorber cette crise?
on commencerait par déjà respecter les institutions de la République. C'est-à-dire ? C'est-à-dire respecter la Constitution, respecter la séparation du pouvoir, respecter à ce que les acteurs qui animent les institutions opèrent de la manière qui correspond à ce que les lois disent et la Constitution disent, non pas aux injections des individus. Mais quelle serait l'incidence justement de ce respect-là ? Est-ce que vous pensez que le taux monte de 100 parce qu'il y a respect de la Constitution ? Il y a un comité de politique monétaire à la Banque centrale. Non, tout est lié. Il n'y a pas d'acteur économique sérieux qui viendra investir dans un pays où le climat politique est incertain. Mettez-vous ça dans la tête, ça c'est une vérité, c'est une réalité. D'ailleurs, la preuve en est, on cherche des acteurs, lui-même le chef d'État cherche. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé une usine de montage pour 500 personnes. De montage, pas de fabrication. On ne fabrique rien en République démocratique, même pas de cure-dents, mais vous trouvez ça normal ? C'est un paquet qu'il faut féliciter. Non, pas du tout. On n'a pas besoin d'un petit pas. On regarde l'argent qui circule en République démocratique du Congo. On regarde la richesse que nous avons. Nous ne pouvons pas accepter des mesurettes pour dire aux Congolais « Attendez dans 5 ans, attendez dans 10 ans ». Mais vous attendez ? Est-ce que vous, en attendant, vous baissez vos salaires ? Est-ce que vous, en attendant, vous supportez l'effort social ? Vous, en attendant, vous supportez l'insécurité ? Est-ce que vous, en attendant, vos enfants se font couper les mains dans les rues ? Est-ce que vous, en attendant, vos enfants se font arrêter au commissariat provincial parce qu'ils ont manifesté légitimement l'injustice sociale ? S'ils ont cassé, c'est autre chose. S'ils ont cassé, brûlé de vécu d'autrui, ça c'est autre chose. Un ministre de l'Intérieur qui détermine qui est coupable ou pas. Et c'est ça que je vous parle de la séparation de pouvoir. Il y avait flagrance. Là. Non. Il y avait flagrance. Non. Les policiers étaient en train de voir. Je vous donne un cas concret. Allez-y. Jeune Ramazani qui était avec moi, qui est arrivé avec moi, qui n'a pas participé à ces faits. On est venu constater, on est invité à l'UPN par la demande, c'était pas tout. Mais arrivé sur place, il a été arrêté par la police universitaire. On a été malmené par le professeur qui était là. Et on l'a chargé par la police universitaire avec un faux procès verbal. À ce jour, ça fait 2 jours qu'il est commissaire provincial. Et la réalité, je vous dis, je témoigne, je suis là, j'étais là. Alors, ne me parlez pas. Permettez-moi qu'à partir de cela, je doute de toute la procédure. Parce que le comité de gestion cherche des boucs émissaires. Parce que la rectrice qui a montré sa négation du dialogue social, sa négation de l'altérité, c'est-à-dire des discussions avec les comités qui représentent les étudiants, il a montré son mépris pour la démocratie, pour la justice sociale. Alors, en cela, ne dis pas que je dois cautionner et dire même qu'il y a un seul de ces étudiants qui soit responsable. Je dis pour moi, il leur appartient de prouver par des faits concrets, non pas par leur propre déclaration, par leur propre médisance, par des fausses dénonciations, que ces jeunes-là sont coupables. C'est ça la défi. Et je le répète, ce n'est pas un ministre de l'intérêt VPM, soit-il, qui déclare qu'il est innocent et qui est coupable, mais c'est un tribunal. Et c'est en cela que nous avons besoin de dire que nous avons besoin d'un état de droit, à commencer par dire le droit, rien que le droit. Ça, on comprend tout à fait. Alors, on est en train de vivre ça, on est en train de subir ça. Pensez-vous que dans pareilles circonstances, qu'il soit possible d'organiser les élections ? Nous savions déjà depuis la nomination de M. Kadima qu'il y avait suspicion. Et cette suspicion s'est allée en s'aggravant. Arrive un moment où on dit que c'est la volonté du pouvoir de nous amener vers des élections chaotiques, puisque c'est le pouvoir qui organise les élections en concertation avec la CENI. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition fait partie des partis prenantes, intégrantes. Attention, le gouvernement n'organise pas, il finance. C'est la CENI qui organise les élections. Il joue un rôle clé. Je reviens à dire une chose. Je le répète, vous voulez nous faire croire qu'il y a une espèce de respect des normes, nous sommes dans une démocratie. Je le répète, c'est totalement faux. Des injonctions viennent du pouvoir pour que Kadima persiste dans cet élan. Aujourd'hui, il nous amène vers un mur, vers un chaos. Et peut-être c'est ça qu'il souhaite. Il ne s'est pas encore prononcé. Jusqu'à là, il rassure qu'il y aura élection. Mais vous êtes très intelligent, maître. Dites-nous, avec les faits tels que déballés, la flambée des prix, l'instabilité de la monnaie, une économie fortement dollarisée, et cette dépréciation que subit notre monnaie locale, est-ce que c'est possible de tenir des élections crédibles, transparentes et surtout apaisé. À votre question, vous posez la question si
avec l'échec du gouvernement actuel, son incapacité de gérer le bien, la sécurité des Congolais, si on va aller vers des élections crédibles et transparentes. Ben, il faut aller vers des élections parce que c'est un devoir constitutionnel pour ceux qui sont au pouvoir. C'est un devoir pour les citoyens d'aller donner de la légitimité. Est-ce que va-t-elle comporter ces trois attributs-là? Mais ils ont l'obligation. Écoutez, ce n'est pas une alternative. Mais ils ont volontairement nié ces attributs. Ils ont volontairement nié ces qualificatifs et ces adjectifs. Ils ont voulu créer une tension où on va surenchérir sur une... probable glissement. Nous disons non, nous ne voulons pas de glissement. Nous voulons des élections, nous voulons que le gouvernement actuel fasse ses bagages, libère le Congolais du piège dans lequel il est broie, nous libère de l'insécurité, fasse en sorte qu'on désigne des acteurs et des animateurs politiques compétents, capables, qui aiment les Congolais et qui ont volonté de relever le Congo. L'évident est que même la communauté internationale ne fait pas confiance au pouvoir actuel. À plus forte raison, nous avons vu que le jeu des séductions pour la francophonie ne séduit personne, pas même la communauté internationale. Nous, les Congolais, nous sommes complètement désintéressés. Il est quand même important que, je ne sais pas, si nous élisons nos gouvernements pour entendre sa propre voix, ou bien qu'il entende la voix de la communauté internationale. Nous élisons nos dirigeants pour qu'ils entendent des désidératas de la population. Et étant donné que le dialogue démocratique et le lien qui unit les gouvernants ou gouvernés, a été brisé, rompu à plusieurs reprises, nous attendons, population que nous sommes, notre droit d'aller dire « on change les animateurs ». Et ce n'est que ça qui va sauver le Congo. Ce n'est pas du tout en donnant un glissement, une année, deux années, à l'incompétence. On dit que les élections coûtent cher, c'est près de 600 millions selon l'Infoca. Est-ce que ne devrait-on pas réfléchir comme... nous l'avait proposé Kabila en son temps, entre merci. Choisir le développement et élection. Merci. Mais je crois savoir, vous avez même vous-même placé. Nous, avant d'arriver au pouvoir, le pouvoir actuel savait que les élections coûtaient cher. Quelles mesures a-t-il pris durant ces 5 ans pour améliorer les conditions? Rien. On répète exactement les mêmes dépenses. COVID, il y a eu la guerre en Russie. La COVID était aussi une opportunité. C'était pas une non aisée. Non. La COVID. C'est quinquennat. Non. Si. Vous savez combien les Congolais ont été vaccinés? L'agression de l'autre côté là-bas. Je commence d'abord par dire la COVID. Qui date de près de 25 ans. Vous savez combien de millions de dollars la République démocratique du Congo a reçu, la communauté internationale? Savez-vous combien de doses avons-nous reçues? Savez-vous combien les Congolais ont été vaccinés? À peine 50 000 Congolais. Où sont parties ces doses? Ils ont été revendus. Où sont partis l'argent? On a vu des procès des Téni-Longonou. On a vu qu'on n'a pas créé de nouveaux hôpitaux. On n'a pas amélioré les conditions de santé des Congolais. Avec l'argent de RAB, nous avons vu que ça n'a rien produit. Alors arrêtez de nous dire que non, le Covid-19 est un prétexte pour dire que ça ne va pas. C'était une opportunité avec l'argent reçu pour dire aux Congolais, ça va mieux aller demain. Vous aimons, nous prenons soin de vous. Non, l'Est, ça vient également, ça fait partie des faits du pouvoir. C'est le M23, c'est les amis du pouvoir en place. C'est eux qui les avaient invités à Kinshasa. Mais ils étaient arrivés à Kinshasa sur l'invitation de qui? Dis-je qu'aujourd'hui, Nico Kazali dit que Kagame, c'est l'ami, c'est le frère de Tshisekedi. Son frère africain. C'est quoi c'était? Vous prenez. On est tous frères. Je ne sais pas ce que c'est qu'un frère africain. Pourquoi pas dire un frère de la nature humaine aussi pendant que vous y êtes? Mais oui, nous sommes tous frères de la nature humaine, nous habitons terre. Mais attendez. Votre frère est en train de massacrer ceux qui vous ont lu, vos frères de sang. Il est en train de massacrer les enfants, de violer les femmes, de déchirer les tissus sociaux, de créer des crises, de prendre une portion du territoire. Le chef de l'État n'a pas de frère. Le chef de l'État est le premier des citoyens des Congolais, pas des Rwandais. Il n'est pas été élu comme frère du Rwandais. Il est là pour garantir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, pas du Rwanda. Il est là pour la sécurité des Congolais, pas du frère rwandais. Il a le droit, en tant que citoyen, de déposer son impérium, de déposer et d'aller vivre, s'il veut, en Angola, d'aller vivre au Rwanda. Mais il n'a pas le droit de nous imposer la violence des Rwandais. Il n'a pas le droit de dire que non, nous devons subir le désirata des Rwandais ou bien des Angolais. Pour que nous vivions librement dans notre territoire national. Allez, merci. Mais rassurez-vous, le chef de l'État a toujours rassuré aux Congolais à chaque prise de parole qu'il veillera sur l'intégrité
du territoire national. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je retiens avoir dit qu'il a dit une chose. Il a dit que non. Pourquoi perturber? Pourquoi faire la guerre aux Rwandais? Ces pauvres gens, cette pauvre population rwandaise n'a rien demandé. Allez, merci, merci à vous. J'ai été récemment à Lemba. J'aimais ce que je vis là-bas. C'est, on a construit des routes secondaires. C'était très bien. Ah, ouais. D'accord. Ça suffit alors. 5 ans, routes secondaires. C'est quelque chose. Allez, merci à vous. 3 400, 3 700 km de route. On en construit 800. Vous êtes contents. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.